Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Kim Kardashian et de sa fille Northwest. Donc, vous savez que Northwest est la première fille et l'aînée de Kim Kardashian et de Kanye West. Or, il se trouve qu'il y a quelques jours, je crois que c'était hier, que Kim Kardashian a posté sur sa page Instagram un portrait, une œuvre d'art. C'est une peinture d'un arbre et aussi d'une montagne. Une peinture qui était magnifique, qui était superbe. Et à côté de cette peinture-là, elle a écrit que c'était son bébé North qui l'avait peinte. Alors là, tout le monde est resté scotché. Il ne croyait pas que ce puisse être une fille de petite fille de 7 ans qui puisse faire, on va dire, un chef-d'œuvre, parce que quand même, c'est vraiment beau, on dirait un tableau de professionnel. Alors, ils se sont mis à l'insulter Kim Kardashian en disant qu'elle n'avait pas besoin de mentir, que sa fille avait fait ce tableau-là, cette toile-là, et de laisser sa fille être une petite fille normale et de ne pas vouloir absolument qu'elle gagne, qu'elle soit parfaite et meilleure en tout. Alors, Kim Kardashian s'est un peu énervée. Elle a dit en fait que oui, c'était bien sa fille qui avait bien fait ce tableau-là. Elle a d'ailleurs amené le professeur d'art de sa fille, parce que sa fille prend des cours d'art, des cours de peinture, et le professeur a confirmé que oui, ce tableau était bien celui de North. Et contrairement à ce que certains disaient, c'est pas d'un tableau paint by number, c'est-à-dire un tableau qui vous permet de peindre selon les numéros. Pour chaque numéro est attaché une couleur. Donc ils ont dit que ce n'était pas le cas en ce qui concerne ce tableau-ci, et que c'est bien North, sous la direction de sa maîtresse, qui a peint ce tableau. C'est-à-dire qu'elle a peint à partir d'une toile complètement vierge, complètement blanche, il n'y avait rien dessus, et c'est elle-même qui a fait ses traits, qui a appliqué ses couleurs. Donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi les gens ne croyaient pas Kim Kardashian. C'est vrai que quand j'ai vu le tableau et que j'ai vu la petite note de Kim Kardashian, j'ai eu des doutes. Sincèrement, je me suis dit non, quand même pas, il ne faut pas abuser une fille de 7 ans. Et je me suis rappelé qu'il y a bien dans le monde des petits génies qui peignent, qui font mieux que ça, et à l'âge de 6 ans. Et je me suis dit pourquoi pas elle. Donc ce n'est pas parce qu'elle est la fille de Kardashian qu'elle devrait être bête, qu'elle devrait n'avoir pas de talent. Ce n'est pas parce que sa maman utilise son corps pour faire son business, son argent, que on doit automatiquement penser qu'elle est stupide ou qu'elle est bête, que ce soit elle, Kim Kardashian, ou sa fille, parce que Kim Kardashian est en même temps en train de passer, je crois qu'elle passe un concours pour être avocate à la ville. Ça veut dire qu'elle n'est pas aussi bête que ça. Voilà, donc c'est pour vous informer dessus, pour les fans de Kim Kardashian, et pour montrer aussi une certaine injustice, parce que c'est parce que Kim Kardashian, c'est Kim Kardashian, et qu'elle est tout le temps presque nue, que voilà, sa fille est accusée d'être une menteuse lorsqu'elle dit qu'elle a peint quelque chose d'aussi beau. Pourtant, c'est vrai. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.